Bonjour à vous, chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, dans vos énergies pour la semaine du 13 au 19 septembre 2021. On va se resituer. J'espère que vous allez bien. J'espère que la nouvelle lune ne vous a pas trop... pas créé trop d'impact sur votre vie, sur vos émotions, etc., etc. En tout cas, pour moi, ça a été comme presque une... Je ne dirais pas une leste à la poche, j'exagérerais. Mais j'ai pas, tu ne peux pas dire que j'ai senti nécessairement après. C'est plutôt avant, je sortis un petit peu plus d'énergie, un peu plus bousculante. En étant poisson moi-même, la Vierge est en face, donc c'est mon signe miroir, n'est-ce pas? Donc oui, ça impacte les poissons autant que, peut-être pas autant, différemment de la Vierge. Mais on était quand même, nous, en tant que poissons, quand même impactés à quelques endroits. Enfin bref, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois de notre vie qu'on vit cette transition-là. On est capable de faire face sans aucun problème, c'est juste qu'on se rend compte que oui, les énergies finalement ça existe, même si on n'y touche pas, ça influence notre comportement, peut-être la réception aux informations qu'on reçoit, on ne réagit pas tout à fait de la même façon, peut-être qu'on réagirait plus impatiemment, peut-être souvent, ou plus avec plus d'empathie, ça dépend, hein, ça dépend des énergies qui sont à cause. Bon, alors, ici, comme vous voyez, je vous ai préparé un tirage à trois volets. C'est-à-dire qu'on va explorer le travail, la carrière, l'ambition. Ici, ça, je le fais avec le Yagel Didier. Vous le connaissez maintenant. Mon petit jeu fétiche. Ensuite, on va toucher à l'amour sentimental, la famille, avec les cartes pour vivre en pleine conscience. Parce que moi, ce que j'aimerais vous apporter ici, dans ces cases-là, si on peut dire de cette façon-là, c'est comment vous réagissez, veut dire, par vos énergies à l'amour. Comment vous c'est quoi la dynamique que vous avez, veut dire, avec votre partenaire, avec votre famille, vos enfants, les personnes qui vous tiennent à cœur, comme au niveau de votre travail, comment vous interagissez, comment vous mettez votre spiritualité, veut dire, si on peut dire de cette façon, au travail, comment vous l'utilisez, comment vous... la perception de ça. Et ici, le troisième, avec les portes magiques de l'univers, on va faire ici le côté argent, finance, projet. Comment vous êtes... c'est quoi votre réaction face à l'argent, à cette énergie-là? Parce qu'on parle toujours d'énergie partout. Comment vous interagissez avec l'argent, avec ce que ça apporte comme pouvoir, puissance, peut-être des fois de l'action aussi également, puisqu'on peut faire des choses avec cette énergie-là. On va aller voir ça un petit peu. Pour terminer avec le petit oracle des anges, je vous ai sorti le dessus de deck et le dessous de deck après avoir mélangé et coupé, évidemment. Alors, ça va vous donner le résumé ou la synthèse, tout simplement, du petit tirage ici pour la semaine du 13 au 19 septembre. D'accord? Voilà le programme pour vous, chers poissons. Alors, d'ici là, je vous prends quelques petites secondes supplémentaires pour vous remercier, effectivement, pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, partagé, mis des commentaires. Je peux vous dire que j'aimerais exprimer ma gratitude face à toute cette boule d'énergie que vous m'envoyez régulièrement. Je vous en remercie infiniment. Merci, merci, merci. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, écoutez, on est prêt à vous accueillir quand vous serez prêts. La chaîne, elle est encore jeune, mais je prévois la laisser exister longtemps. Donc, quand vous serez prêts, si un jour vous êtes prêts à venir rejoindre notre communauté, ça va nous faire plaisir de vous accueillir, tout simplement. D'accord? En attendant, bien, écoutez, prenez ce qui vous concerne, prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui correspond à la situation, peut-être à vos préoccupations que vous vivez tout simplement au quotidien, particulièrement dans cette semaine-là, parce qu'on sait que le facteur temps, c'est un facteur qui est, bon, pas très fiable, on va le dire de cette façon-là. Il peut se passer un petit peu avant, un petit peu après ou pendant, c'est toujours ce qu'on souhaite, évidemment. Mais bon, c'est pas nous non plus qui décidons, même si nous avons des intuitions concernant la situation. D'accord? Alors voilà, on va commencer tout de suite. On ne perdra pas plus de temps. Bien, on a déjà 4 minutes de fait. On va aller tout de suite avec le début pour le côté travail, carrière, ambition. Comment vous interagissez. C'est ça, parler vite. On avale des mots, on avale des syllabes. Ce que je voulais dire, c'est que oui, comment vous interagissez avec les énergies de travail, avec vos collègues, avec votre travail même, votre occupation générale, parce qu'il y a des gens qui sont à la retraite ou des gens qui ne travaillent pas simplement, on n'a pas tout le même genre de vie. Alors, c'est pour ça que je vous dis, comment vous interagissez avec cette énergie-là, même si vous ne travaillez pas, vous avez peut-être une occupation qui vous occupe dans la journée, qui tient longtemps dans votre temps, si vous voulez. Vous prenez votre temps pour faire cette action-là. Je ne sais plus comment le mettre poliment. Bon, écoutez, on commence, c'est parti.
Alors, on parle de l'éclair, on parle de la foudre, quelque chose qui arrive précipitamment. Ça dérange. La clé, l'équilibre, le travail, la maison et les bateaux. Oups là! Ma première impression, c'est sûr, quand j'ai vu la foudre, je me suis dit, oups, il y a quelque chose qui vient de tomber. Ça vient déranger, évidemment. Est-ce que c'est quelque chose que peut-être vous essayez... Est-ce que c'est une perte par l'éclair? Est-ce que ça, parce que là, on parle d'une énergie quand même. On est à une semaine de ce que vous vivez présentement. Est-ce que c'est quelque chose qui est programmé de perdre votre emploi ou de changer de poste ou même de changer de compagnie, si c'est bien possible? Parce que même malgré tout ça, même si ça dérange au niveau des émotions, je ne vois pas nécessairement la grosse peine dans ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vous-même initié? C'est bien possible. C'est une proposition peut-être qu'on vous a faite, que vous avez laissé peut-être sortir traîner, du moins laisser un petit peu dans votre esprit, en plan B peut-être. Ça peut être dans ce sens-là aussi, tout simplement. Parce qu'on dit que c'est ce changement-là prévu, ou du moins cette... Oui, ce changement-là prévu, même si ça vient vous chercher au niveau de vos émotions, au niveau de la lune, hein, au niveau des choses qui sont peut-être plus profondes, plus cachées à l'intérieur de vous, ça vient titiller quelque chose à l'intérieur de vous. C'est la clé de votre équilibre, on le dit ici. C'est la solution à votre... Peut-être que ce que vous vivez dans le moment, dans le présent travail, si vous ne changez pas, si vous changez, c'est-à-dire c'est peut-être un endroit où vous n'êtes plus bien, vous êtes plus, vous, vous sentez plus aussi motivé, vous n'avez pas vous avez plus la flamme sacrée, on peut dire de cette façon-là, face à votre travail. C'est, maintenant, aller travailler, c'est pénible. C'est boulot, 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 boulot. On n'est pas motivé, c'est juste du boulot. Et ça s'arrête là. Il n'y a plus aucune motivation, aucun intérêt, veut dire vraiment. Pour vous, vous avez fait le tour. C'est un petit peu ce que je vois avec la foot. Ça se décide assez. Il y a une situation qui arrive pour que ça... On coupe. Il n'y a plus d'intérêt là. Oui, ça vient vous chercher émotivement, effectivement. Mais d'un autre côté, on vous dit, puis c'est rempli, c'est rapidement, le travail, il est là tout de suite. Je ne sais pas si vous aviez déjà commencé à faire des applications, peut-être à postuler pour des emplois, mais on parle ici de... Il y a des déplacements vers la maison, vers une compagnie. Ça peut être représenté par une compagnie, par une bâtisse commerciale. Donc, il y a des déplacements vers cette compagnie-là. Est-ce que c'est suite, ça veut dire, à une... Est-ce que c'est suite peut-être veut dire au licenciement peut-être ou peut-être vous avez comme je vous dis fait des démarches pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'en venait pour vous appliquer certains postes peut-être qui vous auraient intéressé éventuellement. On parle d'énergie féminine ici, on parle de contrat, on parle de oui, c'est quelque chose que vous avez effectivement même mon Dieu même ouais Seigneur regardez-moi les belles cartes toi. On parle de bon l'énergie féminine, la loi et on signe. On signe, il y a quelque chose qui se signe ici, ça peut être un contrat. Remarquez, c'est peut-être un poste sur une durée indéterminée ou indéterminée, mais toujours est-il qu'il y a une signature ici, on vous approche pour cette chose-là. C'est quelque chose que vous allez apprécier, vous allez vous sentir épanoui, même si on voit la carte de l'amour ici, on ne parle pas d'amour, on parle vraiment d'épanouissement, on parle vraiment de on se sent bien, on se sent bon. L'étoile, protection, soleil, là vous avez la lune et les étoiles, la lune, les étoiles et le soleil, vous avez tout pour vous. Même au niveau de votre santé, vous retrouvez votre ardeur, vous retrouvez vos marques, si on peut dire de ça, vous retrouvez votre force. Donc, c'est vraiment quelque chose, on n'ira pas plus loin, ça ne donne rien. Hein. Je pense assez évident que c'est juste, une période de vie. Pas une période de vie, mais quelque chose qui arrive dans votre vie. Perdre son travail, je pense que... Hein? Bon. C'est sûr que des fois, c'est plus tragique que d'autres parce qu'on n'a pas vu venir. Mais là, il me semblerait que vous, en tout cas, si vous n'aviez pas venu venir, vous avez les doutes étaient tous là. Il y a des gens qui choisissent de faire l'autruche, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement votre cas ici, vu que vous retournez assez rapidement. Il semblerait qu'il y a déjà eu des choses déjà qui se sont faites à ce niveau-là. Okay? Ce n'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Vous le vivez quand même relativement bien. Oui, la lune est là. Oui, bon, c'est sûr que la foudre, normalement, c'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose, je veux dire, de doux. Hein? On le sait, un coup de foudre, c'est un coup de foudre. Un coup de la foudre, c'est bruyant et c'est bon, c'est assez instantané. Le couperet est assez... C'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous l'aviez senti venir ou alors c'était quelque chose... Mais je pense pas que... Moi, je pense que vous étiez au courant ou en tout cas, vous avez fortement senti venir parce qu'on voit, on voit pas de surprise dans vos cartes. C'est comme si, veut dire, ça avait peut-être été annoncé, puis là, ben finalement, ça tombe. Peut-être que ça avait été retardé, peut-être... Bon, on était au stade des rumeurs ou
quoi que ce soit, comment ça peut se promener, m'emmener dans l'information. Mais voilà, moi, je vois comme vraiment vous faites des démarches pour aller ailleurs, effectivement. Et c'est, les choses se règlent de façon harmonieuse, on le voit. Vous avez l'expérience, vous avez la compétence pour faire ce que vous avez à faire. Et ce qu'on vous offre comme travail, même si c'est peut-être par contrat, je ne sais pas comment vous fonctionnez à l'extérieur. Ici, nous, ben, c'est souvent sur une base temporaire ou sur une durée déterminée. C'est rare qu'on va signer un contrat sur une durée indéterminée. C'est possible, mais bon, c'est moins courant, je dirais. En général, c'est pas mal équivalent à la longueur du budget. C'est comme ça que je le verrais. Je pourrais, je pense, le signaler. Mais de toute façon, on reste général, hein. Je vous dirais que oui, c'est ça. On vous offre quelque chose d'intéressant, mais je pense qu'en plus, c'est quelque chose que vous souhaitiez, à quelque part, avec la carte de l'amour qui vous ramène, veut dire, à ce que vous dégagez, à ce que vous ouvrez, veut dire, vous êtes heureux. Vous êtes heureux qu'on vous offre ce genre de poste-là. C'est quelque chose, justement, que vous vouliez, ou vous aviez pensé, ou que vous auriez aimé, veut dire, toucher, ou entreprendre, ou quoi que ce soit. Dépendamment, OK? Alors, c'est très bien, c'est positif. Et on voit que la réussite est au bout du chemin, de toute façon. Allons voir l'amour, sentiment, famille, voir comment vous gérez ça, spirituellement parlant, si on peut le dire de cette façon-là. Je dépose les armes, je suis enfin en paix avec moi-même. Ensuite, je vais en dessous ou par en dessus, on sait pas. Je gère mon stress. Oh. Je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. Bon, c'est bien ça. Je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard. La patience est un élément clé de ma sérénité. Je me respecte en apprenant à dire non avec doigté. Ici, on vous dit, j'aime sans condition et avec authenticité. Bon, vraiment, oui, c'est très beau. Hein? Bon, OK, je comprends un petit peu plus la foudre ici. Je pense que vous avez, oui, à l'intérieur de vous, ça vous a quand même, c'est peut-être pour ça la lune, là, ça vous a quand même, c'est venu quand même vous chercher, même si vous doutiez fortement, jusqu'à preuve du contraire, on se donne toujours place à la rumeur, place à, bon, jusqu'à ce qu'on soit mis devant le fait accompli, ce qui semble un petit peu le cas. C'est pas quelque chose quand même, comme je vous dis, on l'a vu, vous traversez quand même relativement bien, mais ça vous allume sur certaines choses, ça vous fait remarquer certaines choses en vous, la manière que vous communiquez, la manière que vous transmettez l'information de ce choc-là, parce que ça a été quand même un choc, il faut se le dire, hein? C'est pas quelque chose qu'on a dit « Ah, enfin, on m'a mis dehors ». Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Donc, OK, on va commencer par le début, d'accord? Ça va vous donner un petit peu plus le topo, ça va donner peut-être le portrait général de la situation. Au niveau comment vous interagissez face aux relations que vous avez, que ce soit dans l'amour, en amitié ou peu importe, okay? Même les relations de travail. Je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard, donc je ne prends pas pour acquis. C'est pas parce que les gens veulent dire certaines choses sur moi ou sur la façon que j'agis ou la façon que j'interagis. Que c'est nécessairement des vérités qui veut dire que vous devez en faire, veut dire, votre leitmotiv. OK? C'est pas parce qu'on dit... Oui, c'est sûr, quand on le prend comme un compliment, c'est plus facile à se le mettre dans la tête. Cette personne-là, donne-lui n'importe quoi, puis tu vas voir, elle va te faire quelque chose avec ça. C'est incroyable. Laisse-le aller ou laisse-la aller, puis tu vas voir que, veut dire, les choses vont se faire vraiment très, très bien. Le résultat va être superbe, tu sais. Ça, c'est une chose peut-être qu'on est porté à apprendre parce que ça nous encourage à dire qu'on est sur notre chemin, que oui, on a une certaine habileté, une certaine connaissance, une certaine facilité à organiser certaines choses. OK? Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Par contre, si quelqu'un vous dit, « Ah, cette personne-là, ne te dis pas cet ouvrage-là, pauvre toi, tu vas perdre ton temps, c'est tout mêlé, va voir son bureau, tu vas voir tout à l'envers, tu arrives à comprendre quelque chose de ce qu'elle dit, cette personne-là. Ben, » Comprenez-vous, il y a une image négative de vous, finalement, on va le dire de cette façon, puis ça englobe tout. Et vous en êtes venu à l'entendre peut-être parfois souvent ou toujours de la même personne, toujours est-il que vous en êtes venu à penser ça de vous. Alors que c'est une image qu'on vous a lancée parce que cette personne-là avait cette opinion-là de vous ou avait, veut dire, la perception de ça de vous alors qu'elle ne vous connaît pas. C'est un jugement, carrément, tout simplement. Donc, laissez-la vivre son karma de son jugement. Ça verra bien que le retour du bâton n'est jamais tendre. Hein? Quand on juge quelqu'un, c'est sûr qu'il faut s'attendre à se faire juger. On s'entend?
Mais vous ne le prenez pas comme une vérité, évidemment, de la police. Hein? On s'entend que ce n'est pas quelque chose de dire qui est au contraire. Non, 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 non. Vous êtes capable assez fort. Vous connaissez assez. S'il y a quelqu'un qui sait vous dire jusqu'où vous pouvez aller ou jusqu'où il y a certaines choses que vous pouvez accepter ou refuser, c'est bien vous. Oui, c'est sûr qu'on se met toujours à l'épreuve, hein, ou des fois même on se dénie. Ça dépend de votre degré de compréhension de vous, votre degré de connaissance de vous, je dirais, de vos forces, de vos faiblesses, de les prendre comme elles sont. Oui, moi, j'ai plus de difficultés à faire ça, mais j'ai plus de facilité à faire ça. Je vais vous donner un exemple. Moi, je n'ai pas du tout le sens de la direction. Je me perds dans... Je peux aller avoir 15 fois le même endroit, puis pas aller pendant 3 mois, puis au bout de 4 mois, d'y retourner, puis me perdre. Ça vous donne une idée? Par contre, je veux dire... Donnez-moi quelque chose à organiser. C'est facile. Pour moi, c'est une habilité, c'est une connaissance. Mais demandez-moi pas d'aller chercher ou d'aller porter quelque chose, parce que ça se peut que vous me revoyez un peu tard. OK? On a chacun des façons. Mais bon, est-ce que je me lamente? Est-ce que je me lamente sur mon manque de direction? Que oui, ça m'a mis des fois dans des situations un peu emmerdantes. Ça m'a mis dans des situations de retard face à des entrevues, à certaines choses, je veux dire. Ou dans des situations d'urgence, que je veux dire, j'aurais dû être là à telle heure et puis finalement à me perdre, tout simplement. Je veux dire, ça m'a mis des fois dans des situations, je veux dire, pas très gentilles, pas très le fun. On comprend? La réaction des gens aussi, voyons, ça te prend 10 minutes d'habitude, ça te prend 1h30 de te rendre ici, comprenez-vous, dans ce style-là. Les gens ne comprennent pas, hein? Tant qu'ils ne vivent pas le problème, ils ne comprennent pas, mais de toute façon, moi, je sais que j'ai ce manque, de, si on veut, de faculté ou ce manque de direction-là. Pour moi, c'est vive les GPS, on va le dire de cette façon-là. Alors, j'essaie de renforcer les croyances nuisibles à mon égard. On ne les prend pas pour acquis. Ce n'est pas parce qu'on vous le dit que c'est vrai. Hein? Donc, je pense que vous êtes capable de passer ça par-dessus ça. Ici, on vous dit, je dépose les armes et je suis enfin en paix avec moi-même. On parle quand même du chakra ici, du plexus, ou quand même un peu orangé, avec le plexus du nombril. Donc, on travaille au niveau de l'assimilation et des émotions. Comment on assimile ce genre de langage ou d'expression envers vous, ou on part dans ce sens-là. Vous lâchez prise, enfin. Vous lâchez prise face à ça parce que vous vous êtes, je pense, à quelque part rendu compte dans vos relations qu'il s'agissait qu'on vous dise quelque chose pour que ça y est, c'était ça. Vous étiez ça. Et c'est pour vous comme facile, c'est comme si c'est facile pour vous de mettre plusieurs masques. C'est facile pour vous de mettre plusieurs habits. De prendre la si je vous vois comme une personne veut dire qui je sais pas moi je vais vous donner un exemple, habilité veut dire à faire des changements, c'est pour vous c'est facile, organiser c'est une facilité, ça y est, vous le dites, je suis bonne moi dans l'organisation. OK, ça veut pas dire que c'est pas vrai là. On donne un exemple. Mais on va vous dire la même chose, je sais pas moi, si quelqu'un vous dit une autre chose, tout de suite vous le prenez comme c'est. Là, je parle au niveau travail, mais dans le fond, dans votre vie privée, c'est la même chose. Si à un moment donné, vous avez eu une partenaire ou un partenaire qui vous a dit, à un moment donné, je ne sais pas moi, une certaine parole qui vous a peut-être blessé aussi. Hein. C'est sûr qu'en amour, on est plus vulnérable. On est plus ouvert, mais on est plus vulnérable aussi. Le fait veut dire d'être toujours à l'affût des compliments ou des confirmations que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites les bonnes affaires au bon moment. Oui, ça peut devenir fatigant pour le partenaire, j'avoue, là. Mais bon, ça dépend le degré de connaissance de la personne aussi en face de vous. Hein. Mais de toute façon, vous en êtes venu à un point, justement, où on le voit, hein, vous avez abandonné le fait de dire, la construction ici, vous l'avez arrêté ici, hein, en disant, garde, je vais faire mes affaires, puis garde. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. J'ai déposé les armes, c'est quand je ne me casse plus la tête avec ça. Je suis moi-même. Puis effectivement, éventuellement, vous allez attirer, quand c'est sincère, vous allez attirer les gens vers vous qui correspondent, je veux dire, à l'énergie que vous dégagez. Fait que déposer les armes, c'est une bonne chose, parce que là, vous mettez des défis qui, dans le fond, vous appartiennent pas du tout. Parce que c'est quelqu'un qui vous dit que vous devriez être comme ça, ou ben non, vous êtes comme ça, ou on est en train de vous mettre une étiquette, là. OK? C'est plus facile à identifier, là. Mais vous avez refusé ça et vous avez commencé à faire votre propre chemin, vos propres tests vis-à-vis de vous, vous avec vous, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit, je dépose les armes et je suis enfin en paix avec moi-même. Parce que, je veux dire,
je me découvre aussi. Il y a des choses que je concède que oui, je suis, j'ai tendance à être comme ça. Il y en a d'autres que c'est non, c'est pas moi, là. C'est les circonstances souvent qui m'ont porté à agir comme ça selon les connaissances que j'ai. Mais ça identifie pas, veut dire, la personne comme telle. Ça y met pas une étiquette, de un. Deuxièmement, veut dire, c'est quand est-ce que ça s'est passé, ça? La personne, est-tu pareille? Elle est-tu pareille ou est-tu semblable, veut dire, à ce qu'elle était il y a 10 ans? Elle n'a pas évolué? Alors, ça sert à quoi, l'étiquette? Elle est finie, là. OK? Vous faites vous-même le propre constat, alors c'est parfait. Vous arrêtez de vous mortifier par rapport à ça. Quand vous prenez conscience, ça ne veut pas dire que vous êtes toujours dans votre vie continuellement en train de vous mortifier par rapport à ça, mais quand vous y pensez, ça vient titiller, n'est-ce pas? Bon. Alors, ça, c'est réglé. On est capable de revenir en paix avec nous. D'ailleurs, vous faites la paix plusieurs fois. On parle ici de le cœur. On j'aime sans condition et avec authenticité. Donc, vous-même, vous dégagez du jugement. Vous sortez de cette emprise-là parce que ça vous donne rien. Et vous encadrez. Quand on met une étiquette sur quelqu'un, je veux dire, on l'a mis dans une catégorie. Puis là, c'est emprisonné là. On n'est plus capable de dire d'aller essayer de changer ou d'essayer autre chose. Non. La personne, elle est comme ça, là. Et ça nous rassure, nous, l'humain, de mettre, veut dire, une étiquette sur quelqu'un. Mais là, on vous dit « j'aime sans condition et avec authenticité ». Je me casse plus de savoir la tête, le bonbon, à savoir si c'est ci ou c'est ça. Est-ce que la personne, ça sort et à qui ça s'adresse? Ça atteint la personne à qui ça s'adresse. Ça s'arrête là. Parce que vous le faites sans condition et avec authenticité, donc sincèrement. Alors, cet amour-là, cette compréhension, on va dire, du cœur, c'est cette tendresse du cœur que vous dégagez ou que vous émettez, va s'adresser à une personne qui le mérite. Celle qui ne le mérite pas ou celui ou celle qui le méritera ne le ressentira pas de toute façon. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, vous tenir compte, mais vous vous renforcez face à ça de toute façon. C'est pour ça que le fait d'être authentique, ça ne peut pas faire autrement que, veut dire, que aller aux personnes veut dire, qui ont vraiment de la valeur pour vous. Et que vous aussi, vous avez de la valeur pour l'autre personne, puisque si elle l'entend, si elle le comprend, si elle l'assimile, si elle le ressent, elle aussi. Ensuite, je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. Je vais les mettre ces deux ensemble, parce qu'on parle dans les couleurs bleues. C'est pas tout à fait les couleurs des chakras, mais en tout cas, on travaille aux alentours de ça. On reste dans le bleu quand même. Donc, le bleu, veut dire, je peux vous dire que c'est au niveau du chakra de la gorge. Donc, on est capable de verbaliser, on est capable d'exprimer qu'est-ce qu'on ressent ici. C'est-à-dire, je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir et je gère mon stress. Je me remets ici. Bon, regardez, vous le voyez, vous êtes capable d'émettre, donc de verbaliser, mais aussi d'écouter ce que je reçois comme information. Donc, j'ai quand même une certaine sagesse ici. D'ailleurs, elle veut dire 3 plus 9, ça donne 12, qui revient à 3. 3, c'est le chiffre du divin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On revient à un esprit unique, OK? Sans mettre de religion dans ça, là. C'est vraiment, je reconnais votre capacité, que vous êtes capable de verbaliser vos émotions, de verbaliser ce que vous avez à dire, mais aussi d'écouter. Donc, il y a un échange. Et c'est ce qu'on préconise, de toute façon, l'échange. Ça rétablit l'équilibre, OK? Je gère mon stress. Avec le nombre 4, hein, on s'ancre. C'est la meilleure façon de gérer votre stress, de pas laisser ces énergies-là, veut dire vous paralyser. Je vous dirais que de le faire justement en revenant à la source, c'est-à-dire vous ancrer. Hein, on revient à 4, vous savez qu'est-ce que c'est. C'est vraiment les 4 pattes d'une chaise, c'est vraiment être dans la réalité, on va le dire de cette façon aussi, tout simplement. D'arrêter de vivre dans des émissions, on va dire, la tête dans les nuages, mais pas de se rendre compte de ce qui se passe en bas. C'est dépassé pour vous. Il y a une prise de conscience à quelque part ici, OK? La manière que le cheminement que vous faites, vous ne pourriez pas vivre ces choses-là si vous n'aviez pas pris une prise de conscience. Ça se fait consciemment, ça ne se fait pas dans les consciences, ça, ces changements-là. Ensuite, on continue avec, évidemment, le chakra troisième œil, chakra de la couronne. On vous dit que la patience est un élément clé de ma sérénité et je me respecte en apprenant à dire non avec doigté. C'est bizarre que j'ai pris ces cartes-là de cette façon-là. Je vous dis que c'était pas prémédité. Ici, la patience est un élément clé de ma sérénité. C'est relié au chiffre 9. 3 plus 6 égale 9. C'est-à-dire la fin d'un cycle, la fin de quelque chose de
Oui, la fin d'un cycle, mais la fin d'une période où on a trouvé une réponse à notre question. Donc, la patience est un élément clé. Vous avez trouvé, regardez comment vous avez arrivé ici, à sur une branche, mettre quand même des pierres pour représenter autre chose avec le sens de l'équilibre. Vous avez, c'est quand même pas évident de mettre les pierres de cette façon-là sans que ça tombe tout, là, sans faire tout tomber, là. Donc, c'est vraiment, vous avez monté pierre par pierre jusqu'à temps que vous avez compris que la patience, parce que ça a pris du patience, ça a pris du temps, ça a pris de la conscience pour arriver à placer pierre à peu près pour que ça, et que ça tienne. Donc, c'est un élément clé de votre sérénité. C'est sûr que quand vous avez réussi ça, vous avez vu que vous avez bataillé, vous avez réussi à placer les choses exactement où vous vouliez les placer. Job est fait, là. Le travail est fait. Donc, vous êtes serein. C'est la fin d'une période, là, 3 et 6, 9. OK? Ici, je me respecte en apprenant à dire non avec doigté, avec un nombre 28 qui revient à 10, qui revient à 1. Donc, on repart un nouveau cycle, on repart une autre façon de fonctionner en vous respectant et en apprenant à dire non aux choses qui vous ne correspondent plus, que vous avez tant travaillé pour régler à l'intérieur de vous, même vis-à-vis les gens avec qui vous fréquentez, les gens que vous côtoyez, puisqu'on parle d'échange ici. Oui, ça peut être à l'intérieur d'un couple, ça peut être à l'intérieur d'un sac d'amis, d'un sac même de travail, au pire, allez, on parle d'interaction ici. Mais vous respectez en apprenant à dire non avec doigté, c'est-à-dire gentiment, diplomatiquement, sans commencer à se perdre en explications. C'est comme non, merci, pas maintenant, ou c'est pas le temps, ou peu importe la raison que vous donnez la plus délicatement possible, parce qu'on n'est pas là pour faire de la peine aux gens non plus. C'est juste que vous voyez pas, ça vous dit pas, c'est pas quelque chose qui vous intéresse, mais auparavant, vous aurez dit oui, vous aurez dit bon, ben, on va y aller, faire plaisir, là, puis après ça, il va me foutre la paix, là, dans ce sens-là. Mais là, non, vous manquez de respect à quelque part, c'était pas quelque chose que ça, c'était quelque chose pour vous qui vous permettrait d'avancer ou des choses, je veux dire, qui vous rapporteraient, pas le bon mot, mais c'est pas, comment je peux dire, ça appartient pas à votre chemin, autrement dit, nécessairement. Okay? Il y a plein de choses qu'on fait qui ne nous appartiennent pas, là. Mais à un moment donné, il faut arriver à dire, seulement dire non, de ne pas sentir toujours l'abus. Puis quand on dit non, c'est pas juste, ben, viens danser, là. On s'entend. On va dire ça. C'est aussi des fois dans les opinions générales, veut dire qu'on dit non, il faut apprendre à dire non. Moi, je ne pense pas de cette façon-là. C'est peut-être dans l'action aussi qu'on se respecte en disant non à ça. Moi, ce n'est pas une action que j'approuve. Ça ne va pas selon ma moralité, selon mes valeurs à moi, tout simplement. Dans ce sens-là, c'est à tous les niveaux qu'on vous apprend à dire, on vous apprend. Vous apprenez à vous respecter en apprenant à dire non avec doigté, avec douceur, avec diplomatie, avec autant de fermeté. Mais comme on dit, une main de fer dans un gant de velours, dans ce sens-là. OK? Vous êtes en bon chemin pour régler vos choses. Je pense que vous avez vraiment fait une belle réalisation, cher Poisson. Je pense que vous avez mis, comment je peux dire ça, vous êtes tenu droit. Je pense de cette façon-là, face veut dire, à ce que vous vivez, vous avez mené, pris la décision que c'est assez. Et je pense que c'est ce moment-là, parce qu'écoutez, on a tendance à croire que les poissons veut dire, sont des gens, oui, qu'ils aiment aider les gens, qu'ils sont toujours au service des gens, qu'ils sont toujours gentils, qu'ils sont toujours ci, ça. Bon, c'est pas vrai, là. On s'entend, dans toutes les personnes, il y a du bon et du mauvais. Oui, c'est notre tendance à nous, notre mission, je dirais, notre instinct nous pousse vers les autres, effectivement. Hein, on est le 12e signe, donc on a un petit peu de tous les signes, selon ce qu'on nous dit. Et oui, on est comme des bonnes pattes, hein? On est des rêveurs, on touche pas aux terres. Bon, tous des jugements que j'ai entendus sur les poissons, veut dire, et qui sont répétés et répétés et répétés, veut dire, qui sont obsolètes, tant qu'à moi, veut dire, bon, peux-tu passer à autre chose, hein? Il y a tellement d'autres choses qui influencent un poisson, à part que le signe de poisson, okay? Donc, c'est pour ça que je vous dis que je suis un petit peu, moi, quand on me parle du poisson dans cet aspect-là, on vient de me perdre. OK? Alors, ne pensez pas qu'on a non parce qu'on était poisson, on n'a pas de caractère. Non, on est des pattes molles. Non, 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 non. Non. C'est que vous savez, vous avez une certaine sagesse instinctive parce qu'on est un vieux signe, on est peut-être une vieille âme, on va savoir. C'est pas nécessairement que tout le monde, mais en tout cas, toujours est-il qu'en majorité, on retrouve plus de signes, je veux dire, très, très spirituels dans les poissons qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais. Souvent, on a tendance à dire que c'est des choses qui nous intéressent malgré nous. Hein? Des fois, bon, peut-être pas nécessairement toute notre vie, mais il y a eu quelque part dans notre vie, comme maintenant, parce que vous me regardez, tout simplement, vous racontez votre vie, à vous dire tout simplement, à vous dire que oui, ça vous a intéressé à un moment ou un autre.
vous avez eu besoin d'aller chercher cette information-là, vous avez eu besoin d'aller chercher cet encouragement-là, ou peu importe ce que vous avez été chercher. D'accord? C'est pas parce que, veux dire, on est poisson qu'on sait tout, hein? On sait, on a nos passes, nous aussi. Oui, on peut être violent. Oui, on peut être méchant. Oui, on peut être en colère. Comme tout le monde. OK? Donc, il faut un moment donné enlever le mythe que le poisson, on va dire, c'est des gens qui sont... Ah, c'est des rêveurs. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Ça m'agace profondément quand j'entends ça. Bon, alors, on va passer à autre chose. Ma petite crise est passée. Je suis sûr qu'il y a plusieurs poissons qui me comprennent de ce que je veux dire. C'est presque par quelques-uns, je vous dirais presque méprisé. Je veux dire, même parmi mes certains consoeurs, de la manière quand on arrive à parler du poisson, c'est comme... Bon, en tout cas, on va passer à autre chose. OK. Alors, on continue avec l'argent, les finances, le projet. D'accord? Allons-y. Le rayonnement lumineux, comment vous interagissez avec l'argent, avec les moyens financiers? Le féminin solaire, un vent de liberté, la sagesse des blessures, le rythme des saisons, le temple intérieur et pour finir, l'esprit de la prospérité. Bon! C'est sûr que vous, oui, comme tout le monde, vous aimeriez, veut dire, être prospère, hein, on s'entend. Attendez un petit peu, je vais juste les remettre. Bon, OK. Le rayonnement lumineux, on vous dit, infime puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. C'est-à-dire que oui, vous avez la possibilité par le chakra de votre cœur. Ça, c'est une force que vous avez, les poissons. Le prenons-la quand elle passe. En général, par votre signe, par ce que je viens d'expliquer, qui est systématique, mais pas nécessairement, veut dire courant sur tous les poissons. J'ai vu des béliers, moi, avoir autant de cœur, va dire, qu'un poisson. Par contre, c'est vrai que si on allait voir sa carte du ciel, il y avait un amant en poisson, mais bon. Peu importe, il y a quand même des qualités et des défauts à chaque signe, mais celui qui revient souvent sur le poisson, moi, m'agace souvent. Le rêveur, d'insister beaucoup là-dessus, moi, ça m'agace énormément, veut dire, comme poisson. J'aime trop l'action pour me dire que je passe mon temps à rêver. Toujours est-il, c'est ma perception, c'est sûr que je rejette un peu une partie de moi. Enfin bref, le rayonnement lumineux, votre infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin dès que possible. Vous avez par la possibilité, avec l'énergie de votre cœur, l'énergie de la connaissance que vous avez de ce qu'est l'être humain, vous avez cette puissance-là pour illuminer, c'est-à-dire c'est souvent votre étoile du Nord, on peut le dire de cette façon. Ça vous guide. Vous sentez profondément à l'intérieur de vous que c'est le bon chemin que vous prenez. Ça ne vous empêche pas à l'occasion de vous perdre, mais ça reste qu'à quelque part, vous quand même, vous finissez par reprendre votre chemin à quelque part. Le féminin solaire, laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Donc, allez avec un peu de joie, de souplesse, d'empathie, de compassion, des énergies maternantes, des énergies, veut dire, qui entourent, qui sont douces. Oui, vous pouvez passer à l'action. On vous l'a dit, hein. Oui, il y a des choses, plein de choses que vous pouvez faire, mais avec douceur, avec doigté. C'est un petit peu ce qu'on vous dit aussi, l'énergie que vous avez envers l'argent, envers les moyens financiers, de prendre ça un petit peu cool, là. C'est pas en ordonnant, c'est pas en s'abîmant, en se frappant, parce que j'ai dépensé, j'ai débalancé mon budget, peu importe la façon, pas de façon, on va dire, sévère, c'est de façon, ça veut pas dire qu'une mère n'est pas capable, une femme n'est pas capable d'être sévère, OK, on arrête de penser des choses de même, mais... C'est vraiment aller chercher le meilleur, je dirais, du côté féminin. Je pense que je viens de m'en sauver de cette façon-là. On n'ira pas dans les choses, on va dire chacun, chaque genre, on va dire, assez plus et c'est moins, hein, comme d'habitude. Bon. Un vent de liberté. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. C'est sûr que si vous entêtez ou vous êtes donné un but, puis il n'y a pas moyen de vous faire sortir de ce but-là, la direction où vous voulez aller, ne serait-ce que pour avoir peut-être une réussite financière, on ne sait pas. On ne le sait pas encore à ce moment-ci. Mais pour le moment, c'est que vous vous donnez beaucoup de charges sur vos épaules qui peut-être vont vous ralentir sur ce chemin-là parce que justement, vous vous donnez tellement des conditions presque inhumaines. J'ai presque envie de dire ça, c'est le mot qui m'est sorti en premier. Ou les choses que vous trouvez tellement pénibles parce que vous mettez du sentiment autour, vous mettez vous-même la barrière parce que, bon, vous avez l'impression que la personne a encore besoin de vous, donc vous ne voulez pas nécessairement vous pousser un petit peu pour aller continuer votre chemin. C'est dans ce sens-là que c'est lourd pour vous. La minute que vous pensez que c'est lourd, que c'est trop lourd, premièrement, demander de l'aide, hein, ça, déjà, ça, 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 ça,
C'est un bon pas pour se libérer. Deuxièmement, je veux dire, ça va encore plus vous faire conscience de dire ce que vous faites, c'est peut-être pas nécessaire. Là. Il y a des choses que vous laissez peut-être pas vouloir lâcher prise. Si vous vous sentez pris jusqu'à ce point-là, oui, l'aide va venir si vous acceptez d'en avoir besoin de l'aide. Ah non, je suis capable de me débrouiller tout seul. On sait, on se connaît, les poissons, hein? Jamais besoin d'aide. On est tout le jour là pour les autres, mais nous, je suis capable de faire mes petites affaires tranquilles. Non, je vais aller à mon rythme. Puis bon, on est beaucoup comme ça. Hein? Là, on vous dit, libérez-vous, lâchez-les ces lourdeurs-là. Vous n'êtes pas obligé de vous traîner, veut dire, avec un ballot, veut dire, qui pèse plus que votre poids, veut dire, pour penser que vous êtes une bonne personne, OK? On s'entend? Il n'y a pas de quantitatif, veut dire, être une bonne ou une mauvaise personne, là. On n'est pas une bonne personne à 50%, on comprend plus qu'on est une mauvaise personne à 80%. OK? Ça se mesure pas. La sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. De reconnaître, veut dire, la valeur que vous avez eue. D'ailleurs, vous le faites encore puisqu'on vous dit de lâcher les lourdeurs de la vie. Il faut être reconnaissant pour les valeurs, mais aussi pour les actions que vous avez faites pour aider les gens. Je sais que ça devient tellement, à la limite, ça devient tellement habituel, ça devient tellement normal, ça devient tellement inné que c'est comme dû. Alors que non. C'est comme tout le monde. Vous dites, quand vous faites une action pour le bien de quelqu'un, vous êtes capable de vous dire que vous avez fait une belle job, vous avez fait un bon travail, vous avez ressenti, vous avez aidé la personne à reprendre son chemin, puis c'est correct. C'est très gratifiant, c'est très bon pour vous, ça vous nourrit parce que vous aussi, vous avez besoin d'appréciation, vous aussi, vous avez besoin d'amour, vous aussi, vous avez besoin de vous faire reconnaître, tout simplement. Et c'est comme vous dit, avoir de reconnaissance pour votre vécu et le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. N'oubliez pas que votre main se rend dans votre dos hein, pour vous donner un bon petit coup de bel job. Attendez pas après les autres. Votre main se rend. Ce que je vous dis, elle est capable de se rendre jusqu'à l'arrière de votre épaule pour vous donner un petit coup sur l'épaule et dire « t'as fait un bon travail ». OK? N'attendez pas après les autres. C'est vous qui savez la somme d'ouvrage, la somme de peut-être de sacrifices que vous avez pu faire pour arriver à aider ces personnes-là. À quelque part, vous avez laissé de côté certaines choses pour vous occuper de ces gens-là ou de ces problèmes-là. Vous êtes mis en second. Donc, reconnaissez que, bon, oui, cette expérience-là vous a servi. Ça vous a appris, veut dire, peut-être à doser. Non pas de lâcher tout, veut dire, spontanément, OK? Le rythme des saisons. On vous dit de renouer avec les cycles de la nature, vous faire entrer dans l'ordre de la création du monde, de vous ajuster au rythme des saisons. Vous savez, il y a quatre saisons, il y a quatre saisons dans une année qui apportent chacun son lot d'énergie. OK, si on parle au niveau du printemps, on sait que ça commence à renaître. On sent un petit peu les odeurs qui changent de la terre. Ce qu'on a semé, veut dire, commence à sortir de la terre. L'été, on récolte, mais veut dire, on va pousser ce qu'on a planté, finalement. Les projets qu'on a faits, etc. Pour l'automne, commencer à récolter. Donc, c'est un autre cycle. On passe à autre chose. Le cycle continue. Pour enfin l'hiver, laisser les choses se calmer, les choses, veut dire, reprendre des forces, parce qu'ils ont quand même eu, lui aussi, la chose qui a poussé tout le long de l'année, ça y a pris de l'énergie pour arriver à sortir la graine, à sortir, veut dire, la fleur, à sortir le fruit, pour que vous soyez, veut dire, à l'automne, vous, en mesure de le cueillir. Maintenant, il faut qu'il se repose, là. Alors, vous, c'est ça aussi. On vous dit, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas d'hiver dans votre pays, je ne sais pas ce que je vous dis, mais il y a quand même des cycles dans votre que vous vouliez ou non, dans votre vie, peu importe dans quelle partie du monde vous êtes. Moi, je le représente parce que pour moi, ici au Canada, on a les quatre saisons, évidemment, et l'hiver, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ben, on n'est pas dans notre îlot, on s'entend, là, on n'est pas encore au stade des Indiens. Mais ce que je veux dire, c'est que... tout est tranquille, veut dire, on est recouvert de neige, veut dire, les activités, veut dire, dehors sont faites autrement. On ne plante pas d'arbres, on fait pas intervenir la vie, là, à ce moment-là. Là. OK? Au contraire, on laisse la terre se régénérer. On parle de régénération pour nous l'hiver, dans le fond. Donc, on vous demande de suivre ce cycle-là, dans le fond, de dire, OK, vous semez certaines choses. À un moment donné, ça commence à sortir. Oui, ça, à un moment donné, les fleurs ou les fruits sortent.
Oui, vous récoltez ce que vous avez semé, mais là, c'est le temps de prendre un repos, là. Laisse un peu ton système, veut dire, assimiler les choses que tu as apprises durant cette année-là ou durant cette période-là, pour laisser justement à pas à dire, ah, mon Dieu, j'ai eu vécu une période, pouah! OK, dans cette année-là, vous avez eu des bons moments, des mauvais moments, là. OK, donc il faut assimiler tout ça rendu à la période où, pour vous, c'est votre hiver. OK? Le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi, c'est vous qui avez le doigt proche du bouton. Vous appuyez ou non, mais c'est vous qui décidez. Je pense peut-être en prendre conscience, si ce n'est pas déjà fait. Chose certaine, vous dire, c'est en vous. Si vous ne pesez pas sur ce bouton-là, peut-être que vous n'êtes pas au stade où ça vous intéresse. Mais chose certaine, si on vous prend la peine de vous dire, vous sortir de la carte pour vous dire que vous avez quelque chose qui est à votre portée, ben, bon, à vous de savoir si vous voulez vous en servir ou pas. Toujours est-il que ça existe. Ne vous posez pas la question. Pour finalement, l'esprit de la prospérité, on vous dit qu'en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc, on vous le dit ici, n'oubliez pas ici la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Donc, on vous dit, en plus, on vous dit que en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies, donc dans différentes façons. Nécessairement, pas nécessairement que de l'argent, ou ça peut être, là. Mais je veux dire, il y a des actions qui ont été entreprises qui ont rapporté de l'argent. Ça peut être que la même façon que vous vouliez voir, ben, je ne sais pas, moi, votre, je ne sais pas, vous dire, moi, à l'âge de 35 ans, je veux être riche. OK? Il n'y a pas de problème à avoir des buts et des ambitions. Peut-être que la fortune est rentrée à vous vers l'âge de 35 ans, mais pas nécessairement en argent. Vous avez eu des opportunités. Ça peut être peut-être par d'autres gains que vous avez faits, que finalement vous vous sentez riche. Pas nécessairement en argent, mais en plein de choses qui vous apportent autant de la prospérité. Donc, vous êtes toujours quand même dans ce même schéma de prospérité, de choses bénéfiques à vous, qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent même de troquer, qui vous permettent d'échanger. Il y a une façon. OK? C'est bon. Allez, on se termine ça, les chers poissons, avec deux petites cartes de petit oracle des anges. J'ai pris la carte dessus, la carte de dessous du deck, la dernière carte. Pour résumer, faire la synthèse un petit peu de ce qu'on a visité aujourd'hui avec dans les trois espaces de votre vie. Et on nous dit peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Est-ce que vous en êtes conscient? Oui, non. De toute façon, vous n'avez pas grand-chose à faire à part de faire confiance en l'archange Michael, de sentir cette énergie-là qui pénètre entre vous pour aller, comme il dit, dissoudre des peurs, peut-être des résidus de peur que vous avez, ça ne vient pas nécessairement à votre conscient, mais qui ne s'empêche pas qu'il existe et qui vous empêche peut-être de faire des gestes conscients. Donc, oui, des fois, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas aller chercher les outils qu'on a? C'est un outil comme un autre. Alors, oui, il y a peut-être des résidus, comme je vous dis, de peur, ou peut-être des petites choses que vous pensiez, bon. J'ai peur des araignées, mais ce n'est pas la fin du monde. Sauf que si peut-être que vous êtes pris dans un endroit bloqué et qu'il y a plein d'araignées autour de vous, peut-être que ça ne deviendra pas une peur insignifiante. On s'entend. C'est sûr que l'image que je viens vous donner, est pour même moi qui n'ai pas des araignées épeurantes, là. Mais je veux dire, vous savez, vous comprenez ce que je veux dire. C'est peut-être que dans le moment, une petite chose, vous pensez être capable de venir à bout parce que pour vous, bah oui, vous avez conscience, vous avez peur, mais jusqu'à maintenant, je veux dire, vous avez été capable de vous débrouiller dans la vie quand même. OK? Dans ce sens-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Cadeau précieux. Oups. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. OK? Donc, donnez la valeur aux gens qu'ils ont autour de vous. Reconnaître la valeur que ça a pour vous. D'avoir ces genres de personnes-là, de l'amitié, avoir de la famille, avoir de l'amour, que c'est pour vous, c'est vrai. C'est pas tout le monde qui a droit pour des raisons qui leur appartiennent, veut dire, à vivre ce genre d'énergie-là, d'avoir de l'amitié, d'avoir de la famille, d'avoir de l'amour autour de lui pour continuer son chemin, tout simplement. Alors voilà, chers poissons, c'est comme ça que se termine la lecture de vos énergies pour la semaine du 13 au 19 septembre. Je pense que vous êtes, vous aussi, en très bon chemin pour être capable de continuer votre, comment je peux dire ça, votre cycle, votre
Les choses se déroulent comme il se doit. Je pense que vous servez, je pense que vous servez du marteau quand vous avez besoin du marteau et vous servez du tournevis quand vous avez besoin de votre tournevis. Vous êtes capable de différencier la différence selon votre besoin profond. Vous acceptez de l'aide, hein, on s'en souvient. Ne pas se sentir invincible, ne pas se sentir à ses affaires, hein, un peu trop. On n'oublie pas que l'ego, il est facile à dire « Ah, je suis capable. » Donc, dans le fond, on va dire... Ça va peut-être vous amener quelque chose d'autre de le faire ensemble avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on vous amène à dire de ne pas vous sentir, de pas vous laisser seul et de savoir que vous avez du monde autour de vous. C'est pas pour rien. C'est pas juste pour... C'est pas juste pour faire semblant. C'est juste que oui, vous avez du monde qui vous apprécie autour de vous et c'est d'en prendre soin, comme le reste. OK? Avec douceur et avec doigté, hein, on le dit, même si vous dites non. N'oubliez pas. Alors voilà, chers poissons, c'est ici que se termine la lecture de vos énergies. J'espère que ça a pu répondre, comme je vous dis, à vos demandes, peut-être à vos questions, peut-être aux sensations que vous aviez. Tant mieux, c'est depuis l'opération. Alors n'oubliez pas, comme je vous dis, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker ou de mettre vos commentaires, de partager si vous pensez que ce tirage-là peut aider quelqu'un d'autre. Allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire. Ça va peut-être, comme je vous dis, vous donner plus d'informations, peut-être compléter même l'information que je viens de vous donner ici. Ou allumer certaines autres pistes, peut-être qui aussi correspondent à ce que vous vivez, tout simplement. D'accord? Alors là-dessus, chers poissons, je vous souhaite paix, amour, bonheur, prospérité, tout ce que vous souhaitez, mais toujours est-il une bonne semaine. Au revoir, chers poissons, et à la prochaine.